Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Babette. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Y aura-t-il un nouveau procès Omar Haddad? C'est ce que l'avocate d'Omar Haddad a plaidé aujourd'hui auprès de la commission d'instruction de la cour de révision. Elle dit s'appuyer sur de nouveaux éléments qui auraient été ignorés par l'enquête initiale. Maître Sylvie Noakovitch sera dans un instant sur notre plateau. Elle représente donc Omar Haddad. Mohamed, votre story ce soir. Être député, c'est un monde mandat et ce n'est pas un métier. Et donc, on ne dispose pas, quand on est député, de congé maternité. Ce soir, dans cet avou, on donne la parole à plusieurs députés qui veulent changer les règles. Patrick, votre édito. Je vais vous parler des élections en Suède où le majorité social-démocrate a été chassée au profit d'une coalition droite, extrême droite, pour la première fois dans ce pays. Un événement historique qu'on commente ce soir avec Caroline Fourest, journaliste, essayiste, directrice éditoriale de Franc-Tireur. Bonsoir Caroline Fourest. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5. Roger Federer qui tire sa révérence, il a annoncé sur Instagram cet après-midi. Ça fait pleurer Mohamed. Ah, c'est horrible. Qu'il prend sa retraite après 3 années difficiles. On va en parler avec qui? Qui d'autre que Nelson Montfort, tout à l'heure dans le 5 sur 5 pour venir nous parler ouais, de la carrière. Il l'a interviewé 2-3 fois. Quelques fois, ils se sont croisés, je crois. Et en français. Davantage. Pierre, le site historique de la Bibliothèque nationale de France rouvre toutes ses portes samedi. Je vous fais faire la visite tout à l'heure. Nos invités du dîner, un trio de garçons, un boys band version 2022, Grand Corps Malade, Gaël Faye, Ben Mazoué, se sont enfermés 6 jours dans un studio. Ils ont créé 7 trios magnifiques, c'est un mini-album, c'est un écrin. Ils chantent pour la première fois ensemble à la télévision ce soir, c'est sur la scène de C'est à vous. Et puis, la Palme d'Or à Cannes, le réalisateur Ruben Östlund est notre invité, on parlera de Sans Filtre. Bon, c'est un film qui décoiffe, quoi. Il y a des scènes d'anthologie dans ce film. On est très fiers de recevoir un réalisateur qui fait partie de ce club très fermé, de ceux qui ont eu, non pas une, mais deux Palme d'Or après The Square. Et il a 48 ans. Un dîner préparé, comme hier, par Rebecca Beaufour, notre chef du restaurant Dante, rue de Paradis à Paris. Bertrand est à ses côtés. Bonsoir à tous. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai écouté RTL ce matin. La cuisson à 19h00, c'est une partie qu'on pourrait réduire si on la décale un peu et si on évite de faire marcher ces 4 feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h00. Eh bien, merci d'être venu, Rebecca. Revenez à Rebecca. Je vous pose la question rituelle, quid du dîner? Alors, ce soir, ce sont des aubergines à la japonaise avec des girolles sautées, des mûres fraîches et des pickles. Cru? Merci beaucoup. Non, que mariné et snacké. Ah bon? C'est pas l'hiver encore. Oui, c'est pas encore l'hiver. Et faites chauffer les plaques pendant qu'on a encore le droit. À tout à l'heure, à tous les deux. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Les électeurs suédois viennent donc de donner la majorité à une coalition droite-extrême droite. Oui, une majorité ric-rac avec seulement 3 sièges d'avance et quelques dizaines de milliers de voix de plus que le bloc de gauche qui gouvernait la Suède depuis 8 ans. La première ministre social-démocrate Magdalena Andersson a donc reconnu sa défaite hier soir et remis sa démission au président de la Chambre. C'est d'abord une défaite de la gauche ? Pas tout à fait. Les sociaux-démocrates sont la première force politique en Suède depuis les années 30 et ils le sont toujours. Plus de 30% des voix, 2 points de plus qu'aux dernières élections. L'extrême droite n'a donc pas gagné les élections, mais elle a coiffé pour la première fois le grand mouvement de droite qui s'appelle là-bas les Modérés, qui était le 2e parti de Suède depuis 40 ans et qui est maintenant le 3e. 19% des voix pour les Modérés, moins 1, 20% pour les nationalistes qui se font appeler les démocrates de Suède. 3 points gagnés. Qui sont donc ces démocrates de Suède? Au départ, les héritiers d'un groupuscule néo-nazi créé il y a un peu plus de 30 ans, qui s'appelait Gardons la Suède suédoise, voilà, ça vous rappelle des choses, et qui a réussi peu à peu à se banaliser avec son leader depuis 17 ans, Jimmy Ekesson, qui a mis beaucoup d'eau dans son aquavite, en stoppant l'essai raciste, en ne prônant plus la sortie de l'Union européenne, c'était le cas encore il y a quelques années, c'était le Swexit, en approuvant même l'entrée de la Suède dans l'OTAN, ce qui doit se faire dans les mois à venir. Ekesson, qui cultive une image de Suédois normal et ouvert, chose vue lors de la campagne, lors d'un débat télévisé. Märta Stenevi. Kan vi sluta och kalla varandra för nazister nu? Kan vi ta hand på det? Mm.
Voilà, c'est la chef des Verts qui refuse de lui serrer la main, tandis que la droite, dirigée par Ulf Christensen, qui jurait de ne jamais collaborer avec l'extrême droite et avec Akesson, est allée jusqu'au partenariat des discussions entamées il y a 3 ans. On le voit, ce leader de la droite qui a donc fait opérer ce rapprochement. Christensen est maintenant chargé de former le gouvernement. Il n'est pas certain que l'extrême droite y participe, qu'elle ait des ministres, parce que les autres partis de droite, les autres petits partis, y sont opposés. Ça s'annonce très compliqué. En Suède, la dernière fois, en 2018, il avait fallu 4 mois pour former le gouvernement. Qu'est-ce qui explique la percée de l'extrême droite? Délinquance et immigration. La Suède est l'un des pays les plus riches et les plus égaux du monde. Il était aussi l'un des plus tranquilles. Il bat maintenant des records pour les homicides par arme à feu. 48 personnes tuées par balle depuis le début de l'année. Règlement de compte entre bandes rivales pour le contrôle des trafics d'armes et de drogue, souvent dans des lieux publics, parfois en plein jour. Il y a eu une série de faits divers sanglants, très spectaculaires, qui ont rythmé la campagne. Maintenant, nous allons remettre de l'ordre en Suède, a lancé Christensen hier soir. La Suède est aussi le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'immigrés ces dernières années. 250 000 demandeurs d'asile en 2014 et 2015, c'est-à-dire au moment de la crise syrienne, ce qui est considérable évidemment pour un pays de 10 millions d'habitants. Il y a des leçons à tirer de la situation suédoise? Oui, alors il y en a beaucoup sans doute, mais au moins deux. D'abord sur le mode de scrutin, c'est parce que ce qui se passe, c'est le produit aussi de la proportionnelle intégrale dans un système majoritaire à un tour comme en Grande-Bretagne ou à deux tours comme en France. Le parti qui fait 30% des voix et arrive en tête, comme les sociaux-démocrates en Suède, il a les moyens de gouverner. Et puis, il y a la question des alliances. C'est par le jeu des alliances que l'extrême droite se retrouve dans la majorité en Suède, en cessant de la traiter en paria, en voulant se sauver. La droite se retrouve aujourd'hui dépassée. Il n'y a plus de cordon sanitaire, non, en quelque sorte. L'extrême droite qui arrive au pouvoir en Suède, alliée à la droite, et le même succès prédit par les sondages aux nationalistes italien pour le scrutin du 25 septembre prochain, ça veut dire que non seulement l'extrême droite a opéré sa dédiabolisation en Europe, mais plus encore sa banalisation. Oui, dans un double mouvement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a réellement beaucoup, beaucoup de défis. On l'a vu, Patrick Cohen l'a rappelé, par exemple dans le cas de la Suède, effectivement, accueillir beaucoup, beaucoup de migrants dans un contexte où il y a eu, là récemment, par exemple avant l'été en Suède, des émeutes. Des jeunes qui ont caillassé, qui ont balancé des cocktails Molotov sur des policiers, sur des pompiers en criant « Allahu Akbar », c'est sûr que ça ne peut pas ne pas avoir un impact dans les urnes, dans un petit pays habitué à vivre beaucoup plus tranquillement. Donc il y a d'un côté vraiment des soucis, il y a vraiment un problème d'intégration. Et d'ailleurs, la première ministre social-démocrate l'a reconnu, elle a dit « l'intégration, il faut le prendre au sérieux parce que c'est l'alternative à cette colère ». Qui s'exprime par le vote d'extrême droite. Et si dans le même temps, les partis d'extrême droite qui ont bien compris que le vent leur soufflait dans les voiles, polissent leur discours, font absolument tout pour ne plus dire un mot qui dépasse, mathématiquement, ça leur réussit. Aussi bien en Suède qu'en Italie, vous l'avez dit, c'est l'immigration qui est au cœur des débats, qui explique la percée de leurs idées. Ça a été trop négligé, voire évité par les partis traditionnels? Franchement, en France, ça fait un moment qu'on a arrêté d'éviter de parler des sujets qui fâchent. On en parle franchement, et on cherche plutôt maintenant à aller vers des solutions qu'en permanence être en boucle sur les problèmes. En tout cas, je pense que c'est notre souci à nous. Donc, le vrai souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... On est à la fois dans une mutation du système de l'information qui fait que les pensées circulaires, le fait d'être, justement, être en boucle sur ce qui nous agace, sur ce qui nous fâche, est favorable à la montée des populismes. On voit à peu près, dans presque tous les pays, une forte polarisation. On le voit là dans le résultat des élections suédoises. Vous avez un bloc de gauche presque à égalité avec un bloc de droite. Mais au sein de ces blocs, les radicaux ont le vent en poupe. Ils ont l'ascendant. Et donc, parce qu'aujourd'hui, leur discours se démarque dans cette circulation, dans cette information noyée, où on a tous beaucoup de temps pour tournicoter, hein, donc où les propagandistes viennent nous chercher, et puis où il y a des difficultés réelles. Plus l'argent qui coule à flot pour financer les populistes, on en parlera aussi, le Kremlin tire son jeu dans cette histoire. Pas dans le cas suédois. Le cas suédois, c'est l'extrême droite qui est plutôt atlantiste dans cette affaire, mais en Italie, et pour moi c'est là, honnêtement, qu'il faut regarder, parce que c'est là que ça va avoir un impact sur l'Europe. L'extrême droite suédoise va être contenue dans une coalition. Ils vont quand même avoir la présidence de l'Union européenne à partir de janvier, mais ça reste un poste qui n'est pas si... qui n'a pas tant de pouvoir que ça.
Par contre, les élections en Italie, c'est beaucoup plus préoccupant. Parce que là, ça peut être vraiment une porte d'entrée pour non seulement l'extrême droite en Italie, mais aussi une extrême droite russe qui nous menace. En Italie, l'alliance des droites en tête des sondages est menée par Giorgia Meloni et son parti post-fasciste créé en 2012, Fratelli d'Italia, qui qualifie l'immigration de remplacement ethnique, qui multiplie les attaques contre le lobby LGBT. Giorgia Meloni, qui dans sa jeunesse militante, glorifiait Benito Mussolini. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Bon, le parti de Giorgia Meloni est un héritier du MSI, mouvement social italien fondé par les partisans de Benito Mussolini en 1946. Elle est quand même en passe de prendre le pouvoir de la troisième économie de la zone euro. C'est quoi? C'est une forme d'effacement de l'histoire, un déni du passé auquel on est en train d'assister? Ah mais là, on est surtout en train d'assister au fait que nous sommes devenus des poissons rouges sans mémoire. C'est-à-dire qu'il suffit aujourd'hui de sourire, de tendre la main sur un plateau de télévision, comme on l'a vu avec le chef de l'extrême droite suédoise, qui est un ancien... Enfin, je veux dire, son parti a été fondé par des néo-nazis. Giorgia Meloni, son parti, vous l'avez rappelé, Babette, a une flamme qui est une flamme fasciste. Elle-même est une admiratrice de Mussolini. Le Rassemblement national a toujours une flamme qui est inspirée de la même flamme fasciste italienne. On va fêter ses 50 ans bientôt. Et vous allez voir qu'on va vous expliquer que ça n'a plus rien à voir. Ils ont gardé la flamme fasciste, les fondateurs sont toujours là, mais ça n'a rien à voir. C'est la flamme qui est censée surgir du tombeau de Mussolini, c'est ça l'histoire de la flamme de 46, il me semble, si je ne me trompe pas. Absolument, qui était la flamme du parti italien fasciste. Et donc, on est dans un monde tellement circulaire, où un événement chasse l'autre, où on a tellement peu de mémoire, et où la communication a tellement de poids, qu'il suffit d'un peu de com', de sourire, de lisser son discours pour passer entre les gouttes, pour miser sur ce manque de mémoire, pour miser un peu sur la crédulité. Alors, une crédulité, honnêtement, à laquelle je finis par ne croire qu'à moitié. Je pense qu'il y a des gens qui sont parfaitement conscients qu'ils votent pour des héritiers de Mussolini, des héritiers du fascisme, des héritiers de néo-nazis, mais qui se disent, après tout, ça envoie un signal, donc on passe dessus. Sauf qu'à force de passer dessus, si l'Italie tombe, si la Suède est fragilisée, si nous-mêmes, on ne sait plus trop où on a la tête, on devient un espace, notre démocratie européenne devient un espace, une aire de jeu pour ceux qui ne lui veulent pas du bien. Et en ce moment, ça s'appelle pour Vladimir Poutine. La Suède et peut-être l'Italie sont-elles les bandes annonces de ce qui pourrait arriver en France en 2027? Évidemment, Marine Le Pen et Éric Zemmour se réjouissent de ces succès électoraux. Ils rêvent d'une contagion. Est-ce que c'est ce qui peut se passer? En tout cas, on voit bien que c'est la même stratégie qui est appliquée partout, c'est-à-dire banaliser son discours, lisser tout ce qu'on peut lisser. Les consignes clairement qui sont données aujourd'hui aux députés du Rassemblement national sont de faire le moins de bruit possible, de passer le plus inaperçu possible, ce qui va être facile vu le spectacle dont la France insoumise est capable. Donc, une fois que ce temps va passer et que ce parti va réussir à faire le sentiment, à donner le sentiment de dire « vous voyez ». On est au Parlement. Alors, 89 députés. C'est à double tranchant, honnêtement. Quand les Français vont se dire, bon, ça fait 5 ans qu'ils sont au Parlement, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont proposé, concrètement? Rien. Alors, ce rien peut être rassurant ou ce rien peut être, au contraire, dévalorisant. Ça, on ne le saura que dans 5 ans. Mais en attendant, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'hiver prochain, parce qu'on sait que notre démocratie rentre... Nous sommes quand même à deux pas d'une guerre, aux portes de l'Europe. En Ukraine, qui a un impact sur notre économie, qui a un impact sur notre morale, qui a un impact sur les propagandes qui nous visent. Et tous ces partis, on ne peut pas les nommer, parce que sinon on a des procès, mais il y a une information que les États-Unis viennent de révéler. On n'est pas tombé de notre chaise, nous journalistes, on s'en doute bien, tous les observateurs avisés s'en doutent bien, mais là, il y a une confirmation. La Russie de Vladimir Poutine dépense, et ça n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, au moins 300 millions pour financer des partis à l'étranger qui mènent campagne sur ses valeurs et pour ses intérêts. C'est-à-dire ses valeurs, la lutte contre le lobby LGBT, la fixation sur certains thèmes, mais surtout se battre pour fragiliser l'Europe, notamment de l'intérieur, lutter contre les sanctions contre la Russie, depuis l'annexion de la Crimée jusqu'à celle contre la guerre en Ukraine. Et ça, on le voit, ça a un impact sur notre débat, parce que ce sont des partis politiques, ce sont des intellectuels, ce sont des influenceurs qui sont financés par de l'argent étranger pour nous diviser. Émilie ?
Justement, dans Franc-Tireur cette semaine, il y a une enquête sur Alexandre Douguine, le fou de guerre de Poutine. Alors certains disent que c'est le cerveau de Poutine, mais vous, vous le présentez plutôt comme le gourou de l'impérialisme russe. Pour vous, il est un élément clé pour comprendre l'invasion de l'Ukraine. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, je dis, c'est pas tous les spécialistes, et Gaston Crémieux qui a signé l'enquête le précise, c'est pas le cerveau de Poutine, parce que Poutine n'a pas besoin de conseiller pour être un va-t-en-guerre. Par contre, dans sa stratégie, lui et les oligarques qui sont autour de lui, notamment Constantin Malofiev et Prigojine, qui sont deux stratèges de la communication qui ont pensé le fait qu'il fallait déboussoler l'Europe, acheter des alliés à l'étranger pour pouvoir faire avancer l'impérialisme russe. Douguine joue un rôle majeur parce que c'est l'homme qui, depuis 30 ans, réveille le fantasme d'une suprématie slave. Vraiment, c'est une vision suprémaciste, colonialiste. Il s'inspire d'éléments nazis, hein, d'ésotérisme et d'éléments nazis. Il était dans un club noir de la SS quand il était jeune. C'est un vrai rouge-brun. Ça fait 30 ans que ses livres ont de l'impact en Russie et en Europe. Et en France. Et en Europe, il a beaucoup de lecteurs. Il est notamment traduit en France par Christian Boucher, qui est un homme du Rassemblement national, du courant nationaliste révolutionnaire. Il a été préfacé par Alain Soral, youtubeur de la haine antisémite, hélas bien connu. Il a beaucoup, beaucoup de supporters. Et on l'a vu au moment de l'attentat qui a visé sa fille, Daria Douguina, qui était vraiment la digne héritière de son père, une jeune nationaliste qui, elle aussi, avait des liens avec Marion Maréchal-Le Pen, notamment, et qui, lors de son enterrement, on a vu une partie de l'extrême droite française vraiment envoyer des messages qui trahissaient les liens avec la famille de Douguine. Ça a donné lieu à des enterrements, à un enterrement national, presque plus impressionnant que celui de Gorbatchev en Russie. C'est vous dire la mentalité aujourd'hui en Russie, qui est une mentalité non seulement impérialiste, mais aussi suprémaciste, qui considère comme Douguine, il l'a dit d'ailleurs, que les Slaves de l'Ouest, c'est-à-dire la partie ouest de l'Ukraine, est trop tournée vers la Pologne, sont des rats d'égout. Sa fille a même dit avant sa mort, ce sont des non-humains. Il faut arrêter de se montrer magnanime, plus de pitié. Il a même dit un jour dans une émission, Douguine, tuez-les, tuez-les, tuez-les. Donc on est devant une dérive génocidaire qui est applaudie ici par des gens en démocratie au moment où nous sommes menacés par cette guerre. Donc nous avons sur notre territoire des gens qui se disent nationalistes et qui, au nom du nationalisme, sont antipatriotiques et soutiennent une menace pour la France et pour l'Europe. Alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive contre l'armée russe, aujourd'hui la présidente de la Commission européenne s'est rendue pour la troisième fois à Kiev pour s'entretenir avec le président Zelensky. Mais hier, lors de son discours de l'Union, elle a de nouveau apporté le soutien de l'Europe aux Ukrainiens par sa mise, les couleurs ostensibles de son vêtement, mais évidemment plus encore par des mots très forts. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. C'est pas mal de nommer les choses. Mais c'est un moment très fort que nous sommes en train de vivre. C'est le vrai début de l'Union européenne. Moi, je pense que c'est là qu'elle prend corps. C'est unique dans l'histoire de bâtir quelque chose qui dépasse les frontières, non pas pour faire la guerre aux autres, mais pour construire quelque chose ensemble. Mais il faut de l'adversité pour lui donner du corps et pour lui donner de la chair. C'est en train de se passer au Parlement européen. Souvent, les citoyens d'Europe ont l'impression que c'est loin d'eux, qu'ils ne se disent que des choses un peu techniques pour réguler leur vie quotidienne. Là, ils peuvent voir en couleurs, en images et en mots que nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique qui a trait à quelque chose qu'il y a de plus noble chez l'être humain. Est-il capable de faire passer ses valeurs, ses principes avant ses intérêts? Est-ce que nous allons être capables, nous, Européens, de faire passer notre confort cet hiver, et ça ne va pas être facile, de le faire passer après nos valeurs, nos principes, qui sont des principes aussi de sécurité, parce que défendre ces valeurs nous protège. Mais ça va nous coûter un peu cher, ça va nous coûter des efforts. Et cette séquence est très belle pour ça. Ce qui est en revanche un peu triste, c'est que dans la même journée, on a une Marine Le Pen qui prend le micro au nom de la France pour demander la levée des sanctions et pour faire le jeu de Vladimir Poutine. En disant on n'est pas un pays du tiers-monde.
Oui, et puis relayant la propagande d'un pays qui est en train de vraiment nous menacer. Et de l'autre côté, on a Manon Aubry de la France Insoumise qui vient jouer le coup des factures d'électricité en disant « vous allez affamer les pauvres » comme si c'était de la faute. Et d'ailleurs, la réponse a été magnifique. Envoyer ces factures à Vladimir Poutine, ça n'est pas l'Europe qui est en train de créer de la tension sur nos factures d'électricité. Il y a des questions liées à notre parc nucléaire, ça c'est certain. Il y a la question de la spéculation liée à la guerre qu'a voulu Vladimir Poutine. On en parle maintenant au calme. Il faudra garder notre raison cet hiver et il faudra s'en souvenir cet hiver. Il ne faudra pas jouer au poisson rouge cet hiver, ne plus avoir de mémoire. Parce que c'est dans ces moments-là, quand on n'a plus de mémoire, plus de valeur, alors vraiment là, on n'est plus grand-chose. Pour l'instant, on est encore quelque chose. L'Europe est en train de prouver qu'elle a beaucoup plus de force que Vladimir Poutine ne le pensait. Vous restez avec nous, Caroline Fourage. Je rappelle que le dernier numéro de Franc-Tireur est dans les kiosques depuis hier avec cette enquête passionnante sur Douguine, le gourou de l'impérialisme russe. Vous restez avec nous, on commente le reste de l'actualité et notamment cette question, y aura-t-il un nouveau procès Omar Radad? C'est ce qu'a plaidé aujourd'hui son avocate devant la commission d'instruction de la Cour de révision. Cela fait près de 30 ans qu'Omar Radad le réclame, un nouveau procès et à son issue, l'espoir de se voir innocenté. Lui qui a été condamné pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, une riche veuve retrouvée morte dans sa villa à Mougins, sur la Côte d'Azur. C'est ici, dans l'atmosphère calfeutrée de cette luxueuse villa à Mougins, que le crime a eu lieu. Lardé de coups de couteau, le corps à moitié dévêtu, Ghislaine Marchal a été retrouvée morte dans les sous-sols de sa buanderie. Sur la porte, inscrite en lettres de sang, cette petite phrase « Omar m'a tué ». Message tracé en lettres de sang, surtout une faute de conjugaison « Omar m'a tué ER » qui est devenue célèbre, car c'est cette faute qui sème le trouble. Première lecture, Omar Radad est bien le tueur. Seconde lecture, comment Ghislaine Marchal a-t-elle pu faire cette faute aussi grossière? C'est forcément à compter pour désigner le coupable idéal. Deux lectures possibles et deux camps qui se sont dessinés à la minute où le verdict a été prononcé, c'était en 1994. Et dès la lecture du verdict, ce ne fut qu'un cri, celui de l'épouse de l'accusé. Syncope, malaise, évacuation. À l'intérieur du palais, les 12 jurés ont dit coupable. À l'extérieur, la foule n'a qu'un mot, innocent. Omar Radad, coupable idéal. Alors lui clame son innocence depuis toujours et s'appuie sur les zones d'ombre de cette affaire. Parmi elles, des traces ADN retrouvées sur deux portes et un chevron de la scène de crime. C'est ce qui lui permet de demander aujourd'hui la révision de son procès. Seul moyen pour lui de retrouver sa liberté. C'est ce qu'il expliquait le jour de sa libération, justement, après avoir été partiellement gracié par Jacques Chirac et après avoir passé 7 ans en prison. Parce qu'aujourd'hui même, je suis libre, mais en même temps, je ne suis pas libre, à 100%. Parce que c'est quelque chose de déchirer ma vie, déchirer ma vie, mes enfants, toute ma famille, c'est quelque chose, on ne peut pas en vivre avec ça. Bonsoir Maître Novakovic. Bonsoir. Vous êtes l'avocate d'Omar Radad depuis 2008. Vous menez avec lui ce combat pour obtenir un procès en révision. Ce que vous avez plaidé aujourd'hui, votre conviction, c'est que tous les voyants sautent au vert pour qu'éclate la vérité. Quel voyant, en fait? Plusieurs, de nombreux même. Mais d'abord, depuis le verdict de 1994, la science a fait des progrès. Ah oui, alors déjà, vous aviez le procès de révision déjà en 2002. On avait apporté quand même, il y avait deux ADN qui se sont révélés mélangés au sang de la victime. On les avait trouvés, c'était au tout début des progrès scientifiques. Puis j'ai été saisie en 2008 et à ce moment-là, j'ai demandé des expertises. Que j'ai obtenu grâce à la loi 2014, ça m'a permis effectivement d'obtenir de nouvelles expertises. Et là, surprise, 4 ADN mélangés au sang de la victime ont été retrouvés. Vous avez effectivement, ça c'est la porte de la cave à vin, vous voyez celle-là. Et sur la porte de la cave à vin, vous avez 2 ADN qui ont été retrouvés, dont un qui a matché avec le fichier national des empreintes génétiques. Et puis, vous avez la porte de la chaufferie, Omar Matt, pareil. Et là-dessus, vous avez 2 ADN et l'un d'eux est extrêmement parlant, puisque vous avez 35 traces sur les lettres de sang, Omar m'a tué. Sur les lettres de sang. Si vous voulez, on peut parler, vous avez entendu parler de certain nombre de personnes qui vous disent oui, mais tout le monde l'a touché. C'est des ADN de pollution. Voilà, ADN de pollution, on a touché les portes, etc. Là, on ne veut plus entendre ce raisonnement. Un expert, M. Brégnaud, a précisé qu'à partir du moment où vous avez des traces qui sont mélangées au sang de la victime et sur
les lettres de sang, on ne peut plus parler d'ADN de pollution. De toute façon, je vais vous dire, la question, elle est claire. Si un jour, on vous pose la question, on vous dit oui, mais de toute façon, on ne peut pas savoir si oui ou non cet ADN appartient ou pas au meurtrier, eh bien, vous répondez à ce moment-là, écoutez, stop. L'essentiel, c'est de savoir à qui appartiennent ces traces. Il faut identifier les ADN. Il faut savoir à qui ça appartient. Et quand elles ont été laissées, ces traces aussi. Parce que mais voilà, portes, ces portes, elles ont traîné partout. Hein. Mais oui. Y compris dans la salle d'audience du procès de Nice. Mais tout à fait. Et ça, ça fait partie des arguments qu'on me donne. Mais sauf que là, vous êtes sur des traces sur les lettres de sang. Et c'est pour ça que oui, il y a eu d'autres traces. Il y a plein d'ADN autour. Mais sur les lettres mélangées au sang de la victime, c'est là où il n'y a plus effectivement et vous affirmez que l'ADN d'Omar Haddad n'a jamais été retrouvé sur la scène du crime. À chaque expertise, mon client s'est prêté effectivement aux expertises lui-même et son ADN n'a jamais été révélé. Donc il a comparé son ADN et ce n'est pas celui d'Omar Haddad. Donc là encore, s'il avait été présent sur la scène de crime, on aurait forcément, avec les progrès scientifiques actuels, trouver son ADN. Il y a aussi cette enquête de gendarmerie qui est restée secrète, une enquête parallèle menée de 2002 à 2004, révélée en mars dernier par la presse. Vous vous êtes procuré les procès-verbaux de cette enquête qui contient des noms de suspects crédibles, de frères qui appartiendraient à la mafia niçoise. Et votre conviction, c'est qu'en fait, ce soir-là, c'est un cambriolage qui aurait mal tourné. Oui. Alors, la piste crapuleuse, je l'ai toujours soulevée. J'ai toujours été persuadée que c'était un cambriolage qui avait mal tourné. Et il est vrai que cette enquête parallèle qu'on a découvert finalement grâce à un journal quand même, il faut le savoir, c'est même pas un journal, c'est un livre qui est sorti, le ministère de l'Injustice. Et dans ce livre, on découvre qu'il y avait une enquête de 2002 à 2004. Et suite à une interview, eh bien, j'ai été contactée par l'un des capitaines de gendarmerie qui a eu la gentillesse de m'adresser tous les procès-verbaux. Et là, les bras me sont tombés parce que vous vous rendez compte que c'est une enquête qui a été menée de 2002 à 2004 qui n'a jamais été portée à la connaissance de la Cour de révision. Alors qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on ne puisse pas transmettre cela à la Cour puisque déjà, la Cour devait statuer. Elle rendait son délibéré en novembre 2002 alors que cette enquête a commencé en septembre 2002. C'est inadmissible. Pourquoi est-ce qu'elle a été étouffée ou cachée, cette enquête ? Je vais pas mettre en colère la commission, donc je ne vais pas dire cacher ou tout faire quoi que ce soit. Je vais simplement répondre que c'est une enquête qui n'a pas été portée à la connaissance de la défense ni de personne. C'est un truc absolument incroyable parce que c'est une enquête très intéressante avec des pistes extrêmement sérieuses. Et il faut savoir que grâce à la médiatisation, eh bien depuis, j'ai d'autres témoins qui m'ont contacté, des témoins essentiels qui confirment cette thèse crapuleuse et qui viennent effectivement, je dirais, conforter mon dossier que j'ai plaidé très longuement aujourd'hui, pendant plus d'une heure, devant la commission d'instruction. Et il est vrai que j'espère que j'ai été convaincante parce que tous les éléments que j'apporte ne peuvent que les conduire, je l'espère en tout cas, à ordonner au moins des expertises par des laboratoires spécialistes. Il y en a 3 en France qui sont capables de faire des portraits robots génétiques et également des recherches en parentèle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis l'enquête, il y en a qui sont morts. Et notamment, le personnage principal, si je puis parler de personnage principal, est décédé au mois de mai dernier. L'un des deux suspects est décédé au mois de mai. L'audience était le 19, il est décédé le 17 mai. Je suis vraiment... Là, je me dis, il faut aller vite, là. Maintenant, on a assez attendu. Ça fait des années que je le réclame. Maintenant, il est temps qu'on fasse le nécessaire. Et Dieu merci, nous avons vraiment des laboratoires extraordinaires, extrêmement efficaces, qui vont pouvoir, même si les personnes sont décédées, nous révéler à qui appartiennent ces ADN. Pierre. Dans une tribune publiée aujourd'hui par le journal, Le Monde, l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon, ainsi que le président de la LICRA, Mario Stasi, écrivent qu'Omar Haddad n'a pas été épargné par les relents d'un racisme foncier et rappellent pour preuve les premières auditions devant les forces de police et les questions du président lors du premier procès. Vous estimez, vous aussi, qu'il était trop le coupable idéal aux yeux de certains? Ah oui. Ne serait-ce que par ses origines. Alors déjà en premier, je remercie M. Jacques Toubon de soutenir Omar Haddad. Je remercie également le président de la LICRA de soutenir également et de faire partie du comité de soutien d'Omar Haddad. C'est formidable pour nous parce que ce sont des personnes qui ne se joindraient pas effectivement à moi s'ils estimaient que la demande n'était pas sérieuse. Et par ailleurs, je tiens à préciser que le procès auquel je n'ai pas assisté, le seul procès malheureusement parce qu'il n'a pas bénéficié de l'appel devant la cour d'assises, le procès de l'époque
est extrêmement, quand même, ciblé du racisme. Parce que le président, on sait les réflexions qu'il a faites. Je peux vous dire que, heureusement que je n'étais pas là pour l'entendre, parce que je n'aurais pas laissé faire deux secondes. Parce qu'il est inadmissible qu'on effectivement tienne des propos racistes quand on est président d'une cour d'assises. Alors, quand on dit que... C'était Jacques Vergès qui défendait Omar Haddad et qui n'a fait, lors de l'audience, aucune réflexion sur ces remarques du président. Je n'étais pas là pour le dire. Non, mais on a des témoins, pardon. Il y a les chroniqueurs judiciaires qui étaient. Ça a été chroniqué et ça a été dit... Jacques Vergès n'a fait aucune réflexion. Il l'a dit après qu'il y avait eu les relents racistes. Mais quel propos, président, de quoi parle-t-on? Mais en fait, le président de cour d'assises, ce jour-là, faisait quelques petites réflexions lorsque, effectivement, son épouse, notamment, était entendue en tant que témoin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand elle dit « ferait pas une mouche », il a dit « bah oui, mais il égorge bien des moutons ». Si vous voulez, ça, c'est un propos extrêmement raciste le concernant. Et ça a donné le ton, si je puis dire, effectivement, au procès. Et tous ceux qui ont assisté, effectivement, les journalistes au procès, ont été très choqués de parce que moi, évidemment, j'entends beaucoup de personnes qui y ont assisté, qui ont confirmé que les propos étaient extrêmement désagréables et insupportables. Et j'avoue que je n'aurais pas laissé faire ça. À ce procès, pas seulement à ce procès, vous savez parfaitement ce qui a emporté... dans ce dossier, la conviction d'abord des enquêteurs, ensuite de maître Henri Leclerc, qui était l'avocat de la famille de Guylaine Marshall, que vous ne pouvez pas taxer de racisme et qui a toujours dit que ce procès n'avait pas été raciste et que l'enquête n'avait pas été empreinte de racisme. Puis des jurés de la cour d'assises de Nice, puis des magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation qui ont siégé lors de la première commission de révision. Ce qui a emporté la conviction de tout cela, c'est ce tombeau fermé de l'intérieur. Pas fermé d'ailleurs, verrouillé, bloqué par, à la fois par un lit pliant, un chevron de bois et un tube métallique. Un système dont, je cite la première commission de révision, dont toutes les tentatives pour démontrer que la mise en place était réalisable par une personne quittant la cave ont échoué. Comment, et la question a été posée lors de la première commission de révision, comment si le tueur n'est pas Omar Haddad et si Guylaine Marshall n'a pas tracé ses lettres de sang, comment imaginer qu'un tueur machiavélique ait pu commettre cet assassinat et faire accuser ce pauvre Omar Haddad? Je vois que vous citez, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment pas le dossier, parce que moi je le connais. C'est une phrase de la... L'arrêt de la Cour de cassation de 2002. De 2002, sauf que vous n'avez pas cité l'arrêt de la commission de révision de 2001, qui a demandé la révision. Oui, bien sûr. Et qui a considéré que les éléments étaient suffisamment importants et de doute pour qu'on renvoie en cours de révision. Vous avez aussi un avocat général qui a confirmé qu'il y avait assez d'éléments pour renvoyer en cours de révision. Mais encore sur le mystère de cette pièce fermée de l'intérieur. Alors moi, je vais vous le dire. Le mystère, il est clair. C'est tout un chacun le comprend. Comment une personne qui était... si je puis dire, en condition hémorragique, c'est qu'elle était complètement, elle était éventrée. Comment imaginez-vous qu'elle puisse écrire, déjà, c'est complètement ridicule, à deux reprises, Omar m'a tué, des fois qu'éventuellement on n'entend pas et qu'on ne comprenne pas. Pardon maître, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question de savoir comment elle a pu écrire. C'est la question de savoir comment, enfermée à l'intérieur de son propre tombeau, elle n'était pas enfermée dans son propre tombeau. Parce que justement, le gendarme Nietz, justement, qui est arrivé le premier gendarme qui a découvert, a dit qu'il n'y a jamais eu ce système machiavélique de choses bloquées, mais non, pas du tout, de chevrons de bois bloqués. On s'est aperçu qu'en réalité... En réalité, c'était une ouverture qui était possible. Ils ont poussé, et c'est après que le juge Renard, qui a été radié depuis d'ailleurs, a donné effectivement un stratagème qui n'était pas du tout pareil lors de la reconstitution. Mais c'est complètement différent de la première version du gendarme. Et justement, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la porte était fermée à clé de l'extérieur. Donc quelqu'un l'a enfermé de l'extérieur. Pardon, c'est pas ce qu'il y a dans le dossier. Mais moi, c'est ce qu'il y a dans le dossier. J'ai lu l'arrêt de la Cour de cassation. Non, mais lisez pas. Moi, je dis le dossier, mon dossier. Le dossier de Omar Haddad, le dossier que les procès-verbaux de police. Et d'ailleurs, si j'ai accepté de prendre ce dossier en 2008 d'Omar Haddad, c'est que je considérais qu'il y avait des éléments, trop d'éléments qui démontraient son innocence et l'impossibilité pour Mme Marshall, que ce soit sur le plan physique et du médecin légiste que j'ai produit aujourd'hui, qui n'était pas produit à l'époque, qui démontre qu'elle était dans l'incapacité physique d'écrire Omar m'a tué et Omar m'a tué sur les deux portes. Et également, pas de traces de sang, alors qu'elle était hémorragique, devant la porte
qui était censé être fermé par elle. Aucune trace de sang. Elle était censée aussi se traîner forcément d'une porte à l'autre. Il aurait dû y avoir des traces de sang. Aucune trace de sang. Si vous voulez qu'on parle de dossier à tous les deux, on en parlera en sortant. Et vous allez voir qu'en sortant, vous serez par terre en vous disant « mais c'est pas possible ». Mais là, on n'a pas le temps. Vous êtes tenu par un délai. Mais croyez-moi, si c'était si simple que ça... Ah non, c'est pas simple du tout. C'est juste qu'il n'y a pas de... Ah mais le dossier est très simple sur l'innocence. L'alternative est très compliquée à imaginer. Voilà. Mais en tout cas, sachez une chose, et je suis ravie de pouvoir vous contredire sur tous ces points, parce que j'ai tous les éléments au dossier qui démontrent le contraire. Et surtout, une fois de plus, je ne serais pas là avec un dossier aussi solide et il n'y aurait pas cette enquête secrète qui elle-même justement considérait que ça tenait pas la route. Même le gendarme de 2002 à 2004, le capitaine de gendarmerie, a confirmé que cette histoire de fermeture ne tient pas une seule seconde la route. Et ce sont des hauts capitaines de gendarmerie très chevronnés. Et croyez-moi, je les en remercie parce qu'ils m'ont éclairé également sur le coup de la porte. Vos convictions, on peut les lire dans ce livre écrit avec Georges Fenech, Omar Haddad, un combat pour la liberté. C'est aux éditions du Rocher. Merci maître. Vous restez merci avec beaucoup. Nous. Merci à c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, des députés qui voudraient pouvoir être remplacés pendant leur congé maternité. Oui, c'est le lieu où a été voté le congé maternité, mais celui où il n'existe pas, être député, c'est un mandat et non un métier. Donc le congé maternité ni paternité n'existe au sein de l'Assemblée nationale pour les pères et pour les mères. L'an dernier, Lauriane Rossi, alors députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, accouche d'une petite fille, un événement qui va bouleverser son quotidien de parlementaire. Moi, j'attendais ma fille la dernière année de mon mandat, au moment même où j'étais rapporteur de la loi 3D, j'étais questeur de l'Assemblée nationale, donc il est évident que mon activité ne pouvait pas s'arrêter. J'ai vécu ma grossesse jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement, puisque le soir même de l'accouchement, j'étais encore sur un plateau télé, mais j'ai accouché un peu prématurément. C'est un point qu'il faut avoir en tête et qui est souvent méconnu. Beaucoup de personnes ignorent que les parlementaires, que les élus, en règle générale, n'ont pas de congé maternité. En 2007, les femmes représentaient 18,5% des députés contre 37%. Aujourd'hui, mais le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas été pensé pour les députées enceintes. En cas de congé maternité ou paternité, le siège d'un parlementaire reste vide et son vote est perdu, tout simplement, car les suppléants des députés ne peuvent remplacer leurs députés qu'en cas de nomination au sein du gouvernement ou au sein du Conseil constitutionnel ou en cas de décès. Une députée LFI enceinte et marquée par un précédent célèbre prépare un projet de loi pour répondre à cette situation incongrue. Pour moi, l'organisation des institutions, elle a quand même été pensée par des hommes, pour des hommes. Et aujourd'hui, ça change. Et la société, elle est aussi en attente de faire évoluer les choses. Ce que j'ai pu entendre souvent, qui est repris en exemple, c'est le cas de Rachida Dati, qui avait repris 5 jours, je crois, après son accouchement. Et donc, souvent, les gens ils me disent « Ah, bah, tu vas pas faire comme Rachida Dati ». Donc, comme quoi, ça interpelle quand même beaucoup de gens, quoi. Aurore Berger est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle attend un enfant pour le mois d'octobre et estime que l'Assemblée doit évoluer. Elle préconise un changement des règles pour que les femmes se sentent moins coupables de partir en congé maternité. L'hémicycle s'est beaucoup féminisé, s'est rajeuni. Donc cette situation, elle est de moins en moins exceptionnelle. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'encore une fois, la femme se dise pas « si j'exerce mon congé maternité, je mets en danger ma carrière » ou « si je l'exerce, je mets en danger mon groupe politique parce que du coup, je peux plus voter ». Il faut qu'en effet, on puisse déléguer son vote à un autre collègue pour garantir tout simplement que notre parole soit prise en compte pendant la durée pendant laquelle on sera pas là. Et c'est la même chose aussi pendant le congé paternité. Si on veut que les hommes puissent exercer leur congé paternité, il faut aussi que la réciproque soit vrai. Joint par la rédaction de cet avou, l'entourage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, nous a confié vouloir évoluer rapidement pour faciliter la vie des parlementaires enceintes, en ajoutant qu'une réunion entre les présidents de groupe serait organisée pour échanger sur le sujet. Caroline Forest, est-ce qu'il faut évoluer rapidement et modifier les règles pour ces femmes enceintes à l'Assemblée nationale? C'est symbolique, quoi. C'est symbolique et très concret pour celles qui l'ont vécu. Et je trouve que c'est surtout un très bel exemple de consensus républicain qui nous fera du bien, où la richesse parlementaire va dans le même sens. Et donc, on se rappelle à la fois que c'est un métier très dur. Et ce n'est pas un métier, justement, c'est
C'est une dévotion d'être en politique. Et là, pour le coup, vraiment, au moins qu'on soit d'accord sur ça, ça nous fera du bien. Hein, oui, un petit consensus. On va avancer tous ensemble, ça va être chouette. Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Pour éviter les coupures de courant cet hiver, chacun devra y mettre du sien. Mais on en a déjà parlé et c'est ce qu'il faut retenir des annonces d'RTE. Finalement, le gestionnaire de notre réseau électrique, l'hiver sans coupure est possible si les Français adoptent des comportements vertueux. Déjà, il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron en appelait au civisme de chacun. Il va y avoir une déclinaison secteur par secteur, un travail de communication du gouvernement et puis... Aussi, on va essayer que chaque personne, chacun de nos compatriotes ait des outils. D'ores et déjà, j'invite chacun à regarder EcoWatt, où vous avez de manière très concrète eh bien, la situation énergétique du pays, des conseils pour des gestes concrets et qui nous permet chacun d'être en quelque sorte mobilisé. Alors justement, EcoWatt, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui dépend de RTE et qui promet une météo de l'électricité. C'est un outil, en fait, hein, grâce auquel vous pourrez savoir quelles sont les heures les plus critiques. Un indicateur en fait, de la tension de notre système électrique. Toutes les personnes qui se seront abonnées au site monecoat.fr recevront soit un mail, soit un SMS qui leur permet d'avoir l'information sans aller voir tous les jours sur ce site-là. Et à partir de là, ils pourront décider volontairement de faire des gestes de réduction de leur consommation d'électricité. Il vaut mieux réduire sa consommation chacun de manière individuelle, qu'on soit collectivité, entreprise ou foyer français, de 1, 2, 3, 4, 5%. Et éviter des coupures d'électricité. Il y a trois postes principaux de consommation d'électricité. Le chauffage électrique, l'éclairage et la cuisson. On fait attention donc le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Lave-linge, plaque de cuisson, tout ce qui est particulièrement énergivore. Aujourd'hui, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était en visite dans un centre RTE de région parisienne. Et pour cet avou, Louis Amar et Audrey Payas l'ont suivi. Le site EcoWatt, on aura trois niveaux de couleurs, donc vert, orange quand le système devient plus contraint. Et à ce moment-là, on appelle l'ensemble des consommateurs français à adopter des éco-gestes. Par exemple, jouer sur la température de chauffage ou jouer aussi sur le moment où on chauffe. Ces alertes, orange ou rouge, ne seront pas valables sur la journée entière, mais bien sur certains créneaux horaires. C'est un peu le bison futé de l'électricité, c'est-à-dire que bison futé, on a tous pris l'habitude. Quand c'est rouge, on a tendance à réorganiser nos déplacements, à pas forcément partir en même temps que tout le monde. Si on s'y met tous ensemble, on peut éviter de prendre des mesures contraignantes sur notre consommation d'électricité. Vous avez compris, comme on regarde la météo ou bison futé, désormais on regardera EcoWatt la veille pour le lendemain. Enfin, pour clore sur ce sujet, alors que la guerre en Ukraine dont vous avez parlé impacte directement notre facture énergétique, l'approvisionnement européen, une vidéo de la communication, de la propagande d'un ami de Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Саш, вы думаете обо всех, и о Европе, и о всей планете. Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Ёлка, она такая тягучая. Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Ёлка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. La Biélorussie qui coupe des bûches pour aider une Europe, je cite, qui meurt de froid. C'est QFD, hein, Caroline Forest. Genre. Oui, il a surtout beaucoup coupé la démocratie et son opposition depuis quoi, plus de 30 ans. À la hache aussi. Des Libanais qui braquent leurs banques pour récupérer leur propre argent. Oui, leurs économies, hein, bloquées dans un pays embourbé dans la crise. Au moins deux braquages ont eu lieu hier dans des banques du pays, notamment celui de Sally Hafiz, une jeune femme qui a menacé les employés et des clients pour récupérer ses économies pour pouvoir payer un traitement contre le cancer à sa sœur. Elle a récupéré 13 000 dollars sur l'argent qui était sur son compte. Il y en avait 20 000. On voit un employé de banque en fait évacuer des clients sur ces images. En fait, la situation économique est si tendue au Liban depuis des années, on en a déjà parlé, que les banques craignent de ne pas tenir si tout le monde retire ses économies. Sally Hafiz a 28 ans. Elle est connue pour son engagement politique et elle a expliqué son geste.
Je n'avais plus rien à perdre. Il y a 2 jours, je suis allée voir le directeur de l'agence. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que ma sœur était mourante. Il m'a répondu qu'il pouvait me donner 200 dollars. Ce n'est même pas le prix d'une injection quotidienne pour ma sœur. J'en étais arrivée à un point où j'allais vendre mon rein pour qu'elle puisse se soigner. Un geste réplique, en réalité, réplique d'un autre braquage, celui de Bassam Alcher, cet homme que vous voyez avait braqué une banque au mois d'août. Lui-même, schéma, il voulait récupérer son argent pour payer les frais d'hospitalisation de son père. Sorti menotté, il avait pris les clients en otage plusieurs heures, mais il était sorti acclamé par la foule. Sans aller jusqu'au braquage, nombre de Libanais sont remontés contre ce gel de leurs avoirs bancaires et reprochent aux élites, aux responsables financiers aussi, d'avoir pu, eux, disposer librement de leurs réserves. Caroline, un commentaire. Ouais, écoutez, tous les amis du Liban ont le cœur qui saigne depuis des années. Mais ça nous fait réaliser ce qu'un État indigent, cannibalisé, peut donner sur un grand pays. Donc, pareil, profitons un peu de ce qu'on a, hein, parce que ce qu'ils vivent, c'est incroyable. Oula, tout d'un coup, on passe. Regardez, on en est à se voler les fiches, vous voyez, ça commence à se tendre. Ce sujet-là, oui, on en parlera une autre fois. D'accord, ok. Ben oui, parce qu'il faut passer tout de suite aux adieux d'une légende. Roger Federer annonce prendre sa retraite. Vainqueur de 103 titres. C'est 20 triste. Titres du Grand Chelem. Longtemps numéro 1 mondial, le Suisse de 41 ans tire sa révérence. Son dernier tournoi, ce sera dans un peu plus d'une semaine à Londres. Il s'arrêtera après la Laver Cup, où il partagera l'affiche avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il a choisi les réseaux sociaux pour l'annoncer avec ce communiqué et un message audio. Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me, but at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on earth. I was given a special talent to play tennis, and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible. On parle de Roger Federer, on parle de tennis. Tiens, Nelson Monson, sur le plateau de cette... Bonsoir, cher Nelson. C'est le plus grand joueur de tous les temps dont on parle, là, qui prend sa retraite. J'ai l'impression, en regardant cette table, que je ne suis pas le seul fan de Roger Federer. Je ne sais pas si c'est le plus grand joueur de tous les temps, parce que si on nous écoute du côté de Manacor, à savoir le lieu de Rafael Nadal, peut-être qu'on ne sera pas tout à fait d'accord avec cette... Oui, c'est... Mais je pense qu'entre c'est entre Rafa et Roger que ça se joue. Si on considère le nombre du tournoi des Grands Chelems, Rafa est en tête avec 22, et je pense que ça ne sera pas rattrapé. En revanche, comme vient de le dire Mathieu, si on considère le nombre de semaines en numéro 1 mondial, c'est Roger qui, je les appelle par leur prénom comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont tellement, tellement attachants l'un et l'autre. Pour moi, ils sont indissociables, vraiment. Et c'est un peu la fin d'une génération, enfin le début de la fin de cette génération. On peut rappeler que Serena Williams aussi s'est arrêtée très récemment. À peu près au même âge d'ailleurs. Serena et Roger avaient ont tous les deux 41 ans. Concernant Serena, je pense que c'est vraiment la numéro 1 mondiale de l'histoire du tennis. Concernant Roger, je viens d'en parler avec quelques petits guillemets. Mais oui, c'est sans doute effectivement le passage d'une génération. 41 ans, c'est pas un âge canonique dans la vie, mais c'est pour une sportive, c'est déjà assez âgé. Et le fait d'avoir tenu jusque-là, c'est déjà assez exceptionnel. Je pense qu'il y a une anecdote, vous êtes tous des hyper connaisseurs, donc je pense qu'il y a un match qui, je pense, aura laissé des traces pour Roger. C'est la finale de Wimbledon 2019, où avec 2 balles de match consécutives sur son service sur gazon, qui est une surface, normalement, le match est terminé contre Novak Djokovic, eh bien, il n'a pas réussi à conclure. Et ce jour-là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Ça s'est brisé dans la tête avant de se briser un petit peu dans le corps, comme vous venez de le dire. Et... pour les profanes, en fait, pour ceux qui découvriraient encore Roger Federer, si c'est possible, qu'est-ce qui le rendait si spécial, en fait ? C'est quoi son talent ? C'est quoi sa grande force, au-delà du palmarès, bien sûr ? Ben, je pense que c'est ça, c'est sa personnalité hyper attachante. C'est vrai qu'avec lui et Rafa, je mets Djokovic un petit peu derrière, pas en palmarès, mais en personnalité, en code d'amour vis-à-vis du public. Au fond, qu'est-ce qui reste à la fin ? C'est ça, ce sont des qualités humaines. Roger a développé des associations caritatives très importantes, notamment en Afrique du Sud, pour lutter contre l'apartheid. Je veux dire, tout ça ne se fait pas comme ça. Je veux dire, c'est un garçon qui a une vraie conscience humaine. C'est un garçon très... Je trouve que cette photo est très belle. C'est un garçon qui est... Et puis c'est un garçon surtout qui s'est montré gracious, comme disent les anglo-saxons, avec beaucoup de classe dans la défaite,
parce qu'il n'y a pas que des succès, il y a des défaites, et notamment celle dont je parlais il y a deux minutes, avec beaucoup de classe, beaucoup de fair play, et puis et avec beaucoup de modestie dans la victoire. Si je peux me permettre juste de dire une petite chose, je regrette qu'il ne fasse pas ses adieux au tournoi de Bâle. Qui arrive chez lui en Suisse. Je trouve que ça aurait peut-être eu plus de... Sentimentalement, je suis assez ému d'en parler parce que c'est vraiment un garçon que j'aime énormément, mais ça aurait peut-être eu plus de... Le cœur aurait encore plus joué. Oui, la symbole eût été plus forte, peut-être. Roger Federer est suisse, on le rappelle, hein, donc Bâle. Et il se trouve que le journaliste suisse Darius Rochebain était avec un autre grand, Kylian Mbappé, au moment de l'annonce. Écoutez-les. Ah. Mbappé, Roger Federer. Un exemple, un modèle, ouais. Une légende. Pour tout le monde ? Tout le monde. Ouais. À son âge, vous ferez quoi ? Je serai devant mon canapé et... Ouais, bonne chance. Merci. Alors le jeune Kylian Mbappé qui salue la longévité de Federer, dans son communiqué, Federer dit bien qu'il a essayé de revenir au plus haut niveau, que ses trois dernières années ont été éprouvantes. Il a essayé de repousser les limites de l'âge. Oui, je pensais d'ailleurs qu'il y parviendrait. Je suis à peu près persuadé qu'il envisageait une tournée d'adieu, comme l'avait fait d'ailleurs un de ses coachs, Stefan Edberg, le Suédois, dont vous vous souvenez, qui avait dit au début d'une année, j'arrête au mois de décembre. Je pense que c'est ce que Roger avait vraiment en tête, mais le physique en a décidé autrement, oui. Alors, j'en suis sûr. C'est mais... Nelson parfaitement polyglotte. Mm. Nelson, c'est un grand champion qui avait un français impeccable. C'est cinq langues. Trop facile pour vous finalement au bord des cours. Il parle toujours. Non, mais c'est vrai que on a l'impression quand un sportif tire sa révérence que tout s'arrête. Non, pas du tout. En plus, je pense que Federer, je crois, est à l'abri du besoin. Bon, oui. Voilà, je pense. On le verra certainement dans différents médias, la télévision, la radio, etc., donner son avis d'expert. Mais c'est vrai qu'un garçon qui parle cinq langues et qui s'exprime bien dans ces cinq langues, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Il peut être consultant dans beaucoup de pays. Oui, oui, il peut être consultant aussi sur France Télévisions, sur les rangs ou pas. Je ne sais pas quels sont ses tarifs. C'est pas dans les moyens avant de me prononcer. Mais côté cœur, il n'a pas de tarif, il est juste énorme. Merci beaucoup Nelson Montfort d'être venu nous parler de Roger Federer. On rappelle que vous êtes journaliste sportif pour France Télévisions, évidemment cette belle maison. Merci beaucoup Maître Novakovic. Je rappelle Omar Haddad, Un combat pour la vérité aux éditions du Rocher, que vous co-signez avec l'ancien député et juge d'instruction Georges Fenech. Merci beaucoup Caroline Fourest. Franc Tireur, c'est en kiosque depuis hier. Excellent journal, voilà, qu'on ne recommande jamais. C'est chaudement. Dans un instant, nos invités d'idées, ils sont trois, hyper doués. Gaël Faye, Ben Mazoué et Grand Corps Malade, Fabien. Et puis surtout, la Palme d'Or à Cannes, Ruben Östlund. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. L'œil de Pierre aussi, nous attend.